Les trois confrontations qu'on a fait cette saison contre Amiens, c'est la meilleure prestation qu'on ait fait. Voilà, on a joué contre eux, premier match chez nous, on a joué en coupe contre eux, on avait fait des bonnes choses. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on a véritablement montré que voilà, on était une équipe avec un cœur et qui respirait. Voilà. Après, le football, voilà, aujourd'hui, je pense peut-être vous l'avoir déjà dit, ce sont les détails qui nous déchirent et qui nous trahissent. Voilà. Mais des situations comme ça, des choses comme celle-là, moi je les connais. Ça fait longtemps que je traverse des matchs de foot. Et là, il faut à tout prix être présent pour continuer à pousser, à faire avancer nos joueurs. Voilà. Mes joueurs, mais nos joueurs. Non, on n'a pas fait que des contres. Je pense qu'on a bien, on a bien travaillé. On a alterné attaque rapide, attaque placée, utilisation de la largeur, verticalité. Je pense que voilà, on a fait le jeu qu'on voulait face à une équipe qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus technique et qui a beaucoup plus d'impact que nous. Mais je pense qu'on a été très bon dans la récupération, notamment très intelligent, je dirais, dans la récupération du ballon. Et puis dans l'utilisation, on savait que quand on avait le ballon, c'était le meilleur moyen pour de ne pas être en danger face à cette équipe, de nous être capable de maîtriser, de le garder, de le faire tourner entre nous et de n'être jamais surtout arrêté. Parce que face à cette équipe, si vous êtes arrêté, vous allez le payer cher. Elle va vous sanctionner tout de suite. De le gagner. Ouais, c'était un peu l'idée, quoi. C'était l'idée, c'est où on ferme complètement, et je rentrais Warren pour fermer ou carrément au milieu, et on a fait avancer la mine pour essayer d'aller gagner, parce que l'idée c'est plutôt de gagner des matchs, quoi. Que de faire un point. Un point, c'est. Allez, ça donne pas de l'espoir, mais ça, on dit, ah, c'est bien, c'est une bonne perf, un point à l'extérieur. Mais finalement, ça, on n'avançait pas. C'était pas grand-chose par rapport à l'objectif. Donc on s'est dit, je me suis dit, il faut qu'on aille chercher la victoire. Voilà. Parce que il y avait peut-être la place pour faire quelque chose. Voilà. La façon dont c'est les détails qui c'est ce que je dis, c'est les détails aujourd'hui qui nous trahissent et qui nous déchirent, quoi. Mais encore une fois, dans le foot, on repose jamais la faute sur une seule personne. C'est un sport co. On perd tout le temps ensemble. Voilà, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est trop facile pour un entraîneur de dire que c'est de la faute d'un seul joueur. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Même si chacun a ses responsabilités, moi j'ai les miennes, eux ils ont les leurs, mais c'est jamais la faute d'un seul joueur. Voilà.